Bon, les bestes, on se retrouve pour un weekly vlog assez mouvementé. Allez, c'est parti! J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on commence le weekly vlog de cette semaine par une journée assez sympa. Donc du coup, je vais sortir avec des amis. C'est l'anniversaire d'une des filles. Je suis en train de me préparer. Je me suis habillée super simple, vraiment tout en noir. Parce qu'en fait, il a plu et il neige encore. Enfin, il neige pas, il pleut. Donc la neige, en fait, elle fond. Donc c'est complètement genre sale. Bref, je me suis préparée. On dirait que je pars dormir chez quelqu'un. Du coup, j'ai ce sac où je vais mettre ma caméra que je vous ai présenté la dernière fois. Mon sac vert, ajouter une touche de couleur et mon manteau. Il est 11h30, je crois, donc je vais aller finir de me préparer. Puis on va partir. J'ai aussi une trop bonne nouvelle à vous annoncer. Vous savez, dans le vlog d'avant, si vous n'avez pas encore vu, attendez, je vous mets cette partie-là. Mais j'ai reçu mon chauffage. Comment vous dire qu'il n'y a pas de chauffage dans ma chambre depuis que je suis arrivée? Donc il est là. Je vais l'ouvrir en même temps, mais je suis tellement contente. Bref, voilà. Voilà, je vous parle de cette partie-là quand j'ai reçu mon heater, enfin mon chauffage. Je l'ai reçu hier, j'étais tellement contente. Attendez, je vous montre. Il est là. Mais il est tellement bien. Genre, pour ceux qui vivent dans des endroits où il fait froid, il n'y a pas de chauffage et tout, vous connaissez cette galère. Bref, sur ce, je vais finir de me préparer, puis on se retrouvera tout à l'heure qu'on va commencer à sortir. J'ai trop hâte de cette petite journée. Sur ce, c'est parti. Tous les vlogs vont avoir le droit à ces escaliers. Au final, je pense que je vais m'y habituer. Bref, sur ce, on y va. J'ai failli glisser, mais vous l'avez pas vu, mais j'ai failli glisser de fou. Si, je suis à la car. Enfin, la car made for. Je vais pas me perdre dès que j'ai assez d'argent parce que là, ça marche pas. Donc j'espère que ça va marcher. Je me retrouve dans le métro et tout à l'air. La destination, donc en fait vraiment ça va être un restaurant sur un rooftop, ça a l'air vraiment trop classe, du coup j'ai trop hâte. J'attends parce que je suis la première comme à chaque fois. Voilà, on adore. Attention, pas que j'aime pas être la première hein, mais c'est juste que en fait à chaque fois je suis toujours en avance. Voilà Jade. Oh là là. Oh, birthday girl. Dans le temple de la mort là. Mais je suis archi morte. Merde, je peux pas mettre du truc. Hi. Du make-up? Oui, oui. Bon, temple de la mort. Va-t-on acheter quelque chose qui va craquer? On a comment craqué? Tu disais? Je sais pas comment on fait la carte. Bon, écoutez, je suis bien rentrée. Je me suis perdue, mais je suis bien rentrée. C'était une super après-midi. En fait, on allait boire un petit. On allait manger, pardon, dans un rooftop. Je vous mettrai les adresses en barre d'infos, bien sûr. Et bien sûr, là, je m'y tiendrai. Parce que je sais qu'à chaque fois, je dis ça, je mets jamais rien. N'hésitez pas à vraiment me dire en commentaire, ouais, meuf, t'arrêtes pas de dire ça, mais que je mets jamais rien. Bref. Donc, c'était vraiment super sympa. J'ai grave aimé. Je les connaissais pas du tout. Enfin, on s'est connus il y a pas longtemps. Donc, c'était vraiment une super après-midi. Ensuite, j'ai essayé de rentrer. Je me suis trompée de sens, comme d'habitude. Sinon, c'est pas drôle. Il faut savoir que le métro new-yorkais est assez compliqué. Et je
suis passée chez Sephora, j'ai acheté des petites choses, je vais vous montrer. C'est la marque Fresh, je sais pas si vous connaissez. Je voulais la tester depuis longtemps, il y avait des promos sur des produits, donc c'est des petites gammes, donc ça va vraiment me permettre de tester les produits. Mais apparemment ils sont vraiment super, faut savoir qu'un produit coûte environ 50$. Et là la boîte était à moins de genre 50€, donc c'est quand même énorme. Donc je vais vous montrer du coup. Alors, en gros, en fait, j'ai pris, du coup, c'est une boîte, voilà le coffret. Donc, il y a 4 produits et voilà les produits. Enfin, c'est drôle parce que t'as l'impression qu'ils sont énormes, mais ils sont pas énormes. Du coup, il y a un nettoyant visage, il y a l'eau de rose, donc celle-là est vraiment super connue. Ensuite, il y a une crème de visage, donc ça, je suis super contente parce que c'est un gros format et je sais qu'elle va être archi bien. Et il y a un baume pour les lèvres et j'en avais vraiment besoin, donc je suis trop contente. Donc voilà ce que j'ai acheté. J'ai pas trop acheté parce que je dois racheter d'autres choses chez Sephora. Mais j'ai pas voulu trop dépenser, je rachèterai ça plus tard, je pense au cours de la semaine, puisque j'ai pas mal de dépenses dans la semaine qui vont arriver, puisque je vais visiter pas mal de choses, donc je préférais vraiment me calmer. Là sur ce, je vais aller me doucher, me reposer, donc ce soir j'ai pas fini parce que j'allais vraiment me reposer, je suis éclatée au sol, j'ai mes règles qui arrivent, donc ça, ça va être chaud. Et voilà, en tout cas j'espère que cette petite journée vous aura plu, et puis on se retrouve bah, du coup demain pour une nouvelle journée. Aujourd'hui nous on est lundi, j'ai pas vlogué de la journée d'hier mais genre pas du tout parce qu'on a rien fait, genre vraiment rien du tout et il y a eu encore une tempête de neige donc j'ai profité pour me reposer et il y avait le Super Bowl, je sais pas si vous connaissez donc j'ai regardé tout ça, j'ai une tête de fatiguée, je suis vraiment désolée hein, mais là c'est chaud là. Du coup aujourd'hui programme, j'ai cours ce matin, ouais j'ai cours de 9h30 d'ailleurs, faut que je me dépêche, jusqu'à 14h30 et cet après-midi je sors, donc là je vais aller prendre mon petit déjeuner. Et puis c'est parti. Attendez, je vais me balader avec mon chauffage. Il fait tellement froid. Je sais pas ce que je vais manger. Je pense que je vais me faire des œufs et des toasts. Il fait moins 8. Regardez. Non mais moi j'accepte pas les choses comme ça. Oh là là. Bref, j'ai préparé mon petit déjeuner. Je sais pas quoi faire. Des petits œufs, du café, cette machine, je sais même pas comment elle fonctionne mais j'arrive à l'utiliser. Et du pain. Voilà. Putain, il est 8h35. Ce matin c'est des petits œufs, de pain et puis du jus d'orange et du café qui est archi petit. Et voilà, il est 8h41, faut que je me dépêche et après j'ai cours. Je vous ai même pas parlé depuis tout à l'heure parce que... Est-ce que ça vous arrive d'être en retard alors que vous êtes quand même en Zoom à la maison hein? Bah, ça m'est arrivé ce matin, j'étais archi en retard donc j'ai même pas eu le temps de me connecter. Donc là on est en cours, ça se passe super bien et cet après-midi je vais sortir avec une amie que j'ai rencontrée ici. Elle est vraiment super sympa, je vous montre mon petit outfit, j'adore, je sens que je vais avoir froid mais c'est pas grave. Donc me voilà en cours, on est en train de faire des trucs d'écriture. Genre des scripts. Ouh, voilà, je vous reprendrai tout à l'heure. Puis voilà, hein, c'est tout, je suis en cours. Et puis après, on sort, j'ai trop hâte. Parti. Mais avant ça, on redescend les 5 étages, comme d'habitude, vous connaissez. Du coup, moi j'en ai pour, comment on appelle ça, genre 10 minutes. J'en ai pour 20 minutes et ma copine, elle en a pour environ 1 heure. Donc je vais arriver sûrement avant elle. Bref. J'ai trop hâte, il fait trop beau, vous allez voir. Allez, on se retrouve dehors. Bon, allez. Vous allez bien m'entendre avec tout le bruit, mais je suis bien arrivée. En fait, on passe par Central Park. Donc je vais vous montrer du coup le parc. Et voilà, et après on arrive à la... librairie du coup, c'est le bookstore, il est vraiment trop beau. Bref, j'ai trop hâte. J'espère que vous m'entendez bien en fait et que vous voyez bien parce qu'il y a vraiment beaucoup de gens et la luminosité elle est bizarre. Tout le monde d'abord Central Park. Regardez comment c'est pas trop beau. Genre vraiment. Et du coup bah en fait je suis obligée de passer par là. Et après on arrive. Je suis en avance en plus, comme d'habitude je vous ai dit toujours en avance moi. Comment c'est trop beau. Genre il y a vraiment personne.
C'est archi peaceful, genre c'est un truc de fou. Par contre, je sais pas où je vais. Ce soir, j'ai juste pas à me perdre. Mais je voulais juste vous montrer comment c'était super beau. C'est archi beau. Et là, on voit la ville. Je sais pas si vous voyez. Genre derrière, on voit la ville. Et en fait, Central Park. Genre là, je suis en train de passer en fait la ville. Voilà, c'est la mort. Ça, c'est fait pour tomber, ça. Donc, je vais ranger ma caméra, sinon je vais m'exploser contre le sol. On est arrivé et c'est là, mais je crois qu'il faut faire le tour. Donc, du coup, je vais vous montrer. Du coup, mais c'est vraiment trop beau. Je crois qu'il faut faire le tour, mais je crois que je suis en train de me tromper. Comme d'habitude. Attendez, je vais regarder. Arrêtez, c'est tellement beau. Genre, c'est pas trop beau. On a atterri sur la scène de Gossip Girl. Pour ceux qui connaissent et qui ont les références, j'espère que vous les avez quand même. Et normalement, c'est la fin là où ils vont se marier. Puis là, ça fait trop bizarre. Oh, c'est trop beau! Oh, il va me faire pleurer. Ah, parce qu'elle est archi froide. On va terminer la petite journée avec un petit boisson dans un rooftop. Je mettrai le lien en barre d'infos. Voilà! Bon, c'est parti! On dirait qu'on s'en va en soirée alors qu'on va juste boire un café. C'est là, non? Il a fait super froid, mais je suis bien rentrée. Là, je vais manger mon repas. Enfin, je vais vous montrer mon petit repas. Enfin, repas. Est-ce qu'on peut appeler ça un repas? Et voilà, demain il va neiger toute la journée. Donc, je sais pas si je vais filmer ou pas. Parce que j'ai prévu de faire quelque chose et tout. Donc, je sais pas si je vais pouvoir le faire. Écoutez, hein, moi ça va vraiment super bien. J'ai passé une super journée. Promis, je sais que je vais le faire. Je vous mettrai toutes les adresses en barre d'infos. Et sur Instagram aussi. Je vous partage les adresses un petit peu. En fait, je jongle entre Instagram et le vlog. Donc, en fait, les deux se complètent vachement. Donc, si vous voulez aller me suivre sur Instagram, je vous remets ici mon Instagram. Pour les nouveaux, parce que je vois qu'il y a plein de nouveaux qui commencent à arriver. Je partage beaucoup plus de choses, genre, entre guillemets. Enfin, je sais pas comment vous expliquer, mais genre, je jongle entre YouTube et Instagram. Donc, il y a peut-être des adresses que vous voyez pas sur YouTube. Et sur Instagram, il y en a qui voient pas forcément des trucs qui sont sur YouTube. Je sais pas si c'était très logique. Du coup, voilà mon lunch de ce soir. Donc, en fait, je me suis fait un yaourt. J'ai pris un yaourt, des granolas, bananes et des blueberries. C'est tellement bon. Bref, je vous laisse et je pense que je vais aller dodo. Donc, on se retrouvera demain. Je sais, je pull up après 2 jours. Bon, vous le sentez vraiment pas en vrai parce que le vlog continue. Mais j'ai pas trop filmé dimanche. J'ai quasiment pas filmé. J'ai pas du tout filmé en fait hier lundi. Aujourd'hui, on est mardi pour vous situer un petit peu. On est mardi 10 février. En fait, dimanche, il y avait le Super Bowl et il a neigé toute la journée. Donc, ça servait strictement à rien que je filme. Genre, vraiment strictement à rien. Et je suis pas sortie du tout. Et en fait, hier, j'ai eu cours et il y a eu un problème avec ma carte. Donc, j'ai pas pu sortir. Donc, j'ai fait mon linge et tout. Je vais vous mettre un petit récapitulatif. Genre, ici, stop. Voilà. Bon,
Voilà, c'était ma petite journée. J'ai juste fait mon linge. C'est rien d'exceptionnel. Voilà, vous avez vu ce que j'ai fait. J'ai fait mon linge. Après, j'ai pas fait grand chose. Donc là, je vais aller me doucher. J'ai cours de 12h30 à 15h30. Après, j'ai une pote qui vient, Jade. Vous allez la voir. On va aller se balader à Central Park. On va se balader un petit peu. Et c'est tout. Demain, j'ai cours. Je vais peut-être sortir l'après-midi. Et vendredi, je sors toute la journée. Donc voilà à peu près le planning. Ça s'est pas trop passé. En fait, je pense qu'il faut que j'arrive à m'adapter. Mais entre ma carte qui bloque, le Covid et la neige, je vous assure, c'est un bon combo pour faire des visites dans New York. Je vais m'habiller comme ça aujourd'hui et puis voilà, hein. Bref, c'est parti, on se retrouve dans la douche. Je suis bien préparée, j'ai fait un truc de ouf, je sais pas si vous voyez, en gros c'est une jupe que j'ai mis ici en guise de headband. Genre j'en ai pas du tout, donc faut que je m'en achète. Donc du coup voilà comment je suis préparée, j'aime trop. Et là en fait je vais ranger un petit peu mes produits, ce que j'ai acheté, une trousse la toute première fois que je suis arrivée, mais je pense que je voulais pas montrer. Et après ça j'ai cours, donc je vais travailler un petit peu. Et puis après il y a ma pote qui vient, j'ai trop hâte. Du coup bah voilà la trousse que je m'étais achetée. Elles sont pas trop trop belles. Genre attendez. Du coup, en fait, c'est un paquet qui vient de chez Marshall, je crois. Et t'as plusieurs trousses. Alors, en gros, il y a la grosse. Et du coup, il y en a des petites comme ça. Donc, du coup, je vais mettre mon make-up dedans, je pense. Là, j'ai mis, voyez, mon maquillage dedans. Genre, vraiment, elles sont trop, 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 trop bien. Là, j'ai mis tous mes pinceaux. Et là, du coup, j'ai mis mon make-up. Attendez, je vous montre. Genre, elle est vraiment pratique, je trouve. Je pense que après je mettrai tout dedans, genre dans la grosse transparente, mais bref, j'ai juste la flemme de changer. Mais là vous voyez, j'ai mis tout mon make-up, genre j'aime trop, je trouve que c'est beaucoup plus joli. Bref, voilà, là je vais bosser et après on se retrouve bah du coup quand ma pote va arriver tout à l'heure. Sur ce, c'est tout. Bah, j'espère vraiment que vous allez bien. Je sais que le vlog est assez bizarre, mais vraiment, je pense qu'il faut que je m'organise beaucoup mieux parce que c'est un bordel entre la neige, le Covid et tout. Mais là, vendredi, tout réouvre. Les restaurants réouvrent chez nous. Donc, à capacité réduite, forcément. Déjà, c'est une super bonne nouvelle. Et il n'y a pas de neige la semaine prochaine. Genre, vraiment pas du tout. Ouais. Allez, bouge tes fesses. Regardez, je la vois en plus. Et surtout fait beaucoup de bruit, hein. Ça c'est ta maison, tu payes le loyer. Regarde sa vieille tête là. Claquée, wesh. Putain, t'avais genre douche. Regarde comment elle est en banc, hein. C'est trop belle, putain. Il est comme deux clochards dans chaque gueule. Elle est vraiment en flow là, genre vraiment. Hein. J'aime parce qu'on est censé se trouver une tenue pour la soirée de samedi. On fait une soirée, mais je sais pas du tout comment m'habiller. Bref, genre vraiment pas du tout. Là, cette idiote. À chaque fois. Oh la vache. C'est qui a acheté une robe? Vous allez voir ça plus tard. Hey. C'est vraiment le temple de la mort, cet endroit. T'aimes bien? Il bof, ouais. Genre, tu peux avoir mieux. Attends, on va sentir celui-là. Celui-là, ils sont bons aussi. Ah, celui-là, ils sont vraiment super bons. J'ai enfin reçu mes lumières. On va les installer, on va voir ce que ça a donné. Je sais pas du tout ce que ça a donné, mais elles sont trop trop bizarres déjà. Mais voilà, on va les installer. Je vais les mettre là, je pense, parce que j'ai une prise derrière. Bref, vous allez nous voir galérer. Elle est en train d'enlever ses chaussures parce qu'elle n'a pas envie. Donc ça va être très drôle. Je pense que ça va vraiment être trop trop drôle. Du coup, je vais les installer là et après on va les tester. Bref, je vais vous montrer. Je les ai achetées sur Amazon. Je vous passe les détails, mais là on était clairement en train de se demander comment on allait mettre les lumières en haut, sans échelle, sans rien. Bref, c'était la galère de ouf. En précis, on a une idée soi-disant super géniale. Ma coloc a décidé de prendre un balai pour en soulever les rideaux et mettre les lumières. Je vous laisse avec la suite, vous allez mourir de rire. Oh putain! Oh putain! Oh putain!
Là, écoutez, il est 19h, donc j'ai installé les lumières, je vais vous montrer, c'est vraiment trop beau. Bon, c'est un peu schlag, genre je l'ai un peu mal accroché, mais c'est vraiment trop beau, je vous montre. Je vais ranger ma chambre, et puis voilà, demain j'ai cours toute la journée, donc je pense que je vais pas trop filmer, et vendredi je vais sortir. Donc je vous montre comment c'est. Donc voilà, genre regardez comment c'est vraiment... C'est vraiment, ça donne un petit peps à la chambre. Je pense que je vais en racheter un autre pour mettre ici. Mais c'est vraiment trop beau. Du coup, voilà. On se retrouve tout à l'heure. Ça va être exceptionnel, le vlog ne va pas sortir vendredi, donc là en fait vous voyez, vous allez voir vendredi, samedi et dimanche. En fait j'ai pas fait grand chose et je trouvais ça bizarre de poster le vlog comme ça. Enfin bon, bref, trêve de bavardage. Je vais me balader, je vais aller voir, vous allez voir ce que je vais aller voir, j'ai pas envie de vous dire, comme ça vous allez rester jusqu'à la fin. Donc du coup aujourd'hui je sors, là je vais prendre un petit déjeuner tranquillou. Je suis tellement contente, il fait beau. Et ça fait 2 jours que je suis pas vraiment sortie, donc j'ai vraiment trop hâte, ça va me faire tellement du bien. Parce que j'ai eu super mal à la tête, c'est pour ça que j'ai pas trop vlogué, voire j'ai pas du tout vlogué en fait hier. Parce que j'ai eu cours toute la journée, mais je vous l'avais dit. Donc voilà, du coup programme, je sors, j'ai visité 2 quartiers, donc ça va vraiment être trop cool. Bref, c'est parti. Je voulais vous faire une belle vidéo, mais j'ai cassé mon œuf. J'ai trop le mort. J'ai trop le mort, les gars. Non, mais vraiment. Mon petit café. Du coup, là, je vais manger. De toute façon, ma caméra elle est complètement déchargée, donc je peux pas filmer. De toute façon, après, je vais prendre ma douche. Et puis, ouais, voilà ce que je vais faire pour l'instant. Je vais aller charger ma caméra parce que je sens qu'elle va me faire un faux truc quand je vais sortir. Donc, je vais aller la charger tout de suite. Bon, c'est parti. Je suis prête. J'en ai pour 40 minutes de transport. Du coup, je vais prendre la ligne C. Putain, regardez tout le chemin que j'ai à prendre. Du coup, je suis prête. C'est parti. Donc, en gros, ce matin, ça va être un petit peu trissouné. Je vais faire le mémorial du 11 septembre. Donc, ça va être un peu triste. Enfin, ça va être... Voilà quoi, vous avez compris. Et l'après-midi, je vais à Soho. Je vous en avais déjà parlé dans la semaine. Donc, voilà le programme. Et après, je vais me balader un petit peu. Donc, je vais me dépêcher parce qu'il est déjà quand même... Il est 11h. Bref, sur ce, on va se retrouver dans la rue. Je vais me dépêcher, je vais aller aux toilettes, tout ça. Enfin bref, les broutilles de filles et on va y aller. Hi. Bon, il fait déjà super beau. Enfin, super beau. C'est beau. Déjà, c'est trop bien. Et c'est parti. Vraiment, les problèmes des poubelles ici, c'est grave hein, quand même. Hein. Genre, je sais pas si vous voyez, mais il y a énormément de poubelles. Il me reste encore un peu de route. Je crois que c'est là. Je sais pas quoi faire. Je sais pas du tout. Je pense que c'est ça. Je sais pas. Franchement, je pense que... Yo, regardez. Je sais pas. On verra. Et j'y suis. Je sens que je vais pleurer, je sens que ça va être dur, mais bon, j'essaierai de vous montrer le maximum que je peux. C'est parti. Pour ceux qui ne savent pas, c'était comme ça genre avant. Et du coup, genre là, vous voyez, il y avait les 2 tours. Genre c'est 2 tours, enfin bon bref, pour ceux qui connaissent quoi, je pense que tout le monde connaît, c'est historique. Et là du coup bah c'est comme ça que ça s'est passé. Bah du coup là je suis sortie et en fait là je suis devant les tours, enfin la première ou la deuxième je sais pas du tout. Et en fait ils ont mis des, enfin, les noms des victimes. Voilà, et là-bas c'est la deuxième en fait. Bah on va y aller du coup. Et voilà le musée. Mais je suis sûre vous le savez déjà, en plus vous êtes déjà venus. Mais ouais. C'était vraiment super cool franchement. Là c'est la deuxième.
Et vous voyez, en fait, quand ils mettent des fleurs, ça veut dire que c'est l'anniversaire de la personne. C'est trop, enfin, c'est trop mignon. Voilà. Bref, sur ce, je vais partir. J'ai fini, c'était vraiment trop bien, mais c'est très émouvant. Hein. Genre, quand vous venez, venez. Voilà quoi. Donc, c'était vraiment super. Et là, je bouge, je vais à Soho. Et bah, du coup, je vous emmène. Hein. On est à l'Oculus. C'est genre un mall, mais il est trop trop beau. Je sais, je suis toujours distraite, mais c'est trop beau. Je voulais trop vous montrer d'abord. Et voilà, bref, c'est juste un mall. Je sais pas si vous voyez, en fait, genre les magasins, ils sont en bas. Et il y en a là-bas, je crois. Bref, je vais y aller. J'ai 20 minutes de marche, comment vous dire que j'ai déjà froid. Ça va s'annoncer assez drôle. Genre, j'ai clairement froid. Ça va être très drôle. J'arrive dans le quartier, je voulais juste vous montrer comment c'était grave beau. En fait, c'est vraiment plus, vous voyez, des magasins, des trucs comme ça, quoi. Enfin, bon, bref. Vous allez voir, je vais vous montrer. Je vais rentrer, je suis claquée, j'ai archi faim, c'est trop bizarre. Donc, et là, en fait, mon téléphone est en train de se décharger. Et vu que je connais pas New York, je vais éviter de me perdre en New York. Donc là, je rentre, je vous retrouve bah, du coup à la maison. Bon, je suis bien rentrée. Me demandez pas pourquoi je suis assise au sol, je ne sais pas moi non plus pourquoi je suis assise. Non, donc je vous disais, je suis bien rentrée. C'était une journée très... I don't know how to explain this, but emotional, I think. Like, it was so weird. Wow. Franchement, déjà, je suis contente de pas avoir eu... En fait, on pouvait pas filmer, vous voyez, l'intérieur privé, et je suis contente. Parce que je pense que ça détruirait, ça enlèverait en fait toute cette âme qui est à l'intérieur. De pouvoir filmer les photos des gens, les victimes, l'atmosphère, tout ça. Je trouve que c'est très bien que ce soit comme ça. Je pense que ça va marquer vraiment à vie de me dire... je sais pas comment vous expliquer, mais des fois on se plaint de choses et on réalise pas que les gens ont souffert sur beaucoup de choses. Et voilà, ça m'a juste fait rappeler que la vie était courte, qu'on pouvait mourir à n'importe quel moment et qu'il fallait vraiment aller au bout de vos rêves. Si vous avez un rêve, foncez. Foncez, même si vos proches sont pas d'accord, vos familles, vos amis, foncez. Genre, c'est vraiment... D'avoir vu, en fait, ces gens, et en plus, on nous raconte... Il y a une partie où on vous raconte, en fait, ce que ces personnes aimaient faire, il y a des gens qui allaient se marier, il y a des gens, c'était leur anniversaire, enfin, c'était vraiment... Anyways, that was... Wow, that was intense actually. Voilà, après ça je suis allée visiter le quartier de Soho. Comme vous avez vu, mon téléphone s'est déchargé, tout s'est déchargé. C'était catastrophique, mais j'espère que vous avez kiffé. Là je vais aller me doucher. Voilà, voilà, du coup je vous retrouve tout à l'heure. Et si je vous reprends pas, je vous retrouve demain. La morale de l'histoire, vivez les gars, vivez. N'attendez pas demain pour vivre, même si je sais qu'il y a le Covid et que c'est difficile. Et que j'ai la possibilité de sortir, mais genre vraiment vivez. Bref, sur ce. La team, je sais même pas quoi vous dire. C'est samedi aujourd'hui. J'ai pas vlogué de la journée. J'étais tellement dans un sale mood. Genre vraiment pas du tout bien. Mais j'ai l'impression que vous êtes ma meilleure amie. Donc j'ai envie de vous parler, tout ça. Là j'ai une soirée, techniquement. Vous savez, dans le vlog, je vous ai dit que j'allais aller à une soirée samedi et tout. Au final, en fait, je devais être là-bas depuis le matin. Sauf que c'est à genre 1 heure d'ici. Donc faut que je prenne un Uber pour partir. Du coup, si j'y vais le soir, venir en fait au fait. C'est que je suis dans un mood, mais tellement bizarre. Je sais pas quoi faire. Le Uber, il est à 57$. Je sais vraiment pas quoi faire. Dites-moi ce que vous aurez fait à ma place. Surtout que j'ai des potes que je kiffe de ouf. Enfin, c'est ceux que vous avez vu dans la vidéo. Je les adore de ouf. Hein. Mais je suis tellement dans un sale mood. Préparé, puis on verra. J'y vais, ça y est, je suis prête. Je vais vous montrer mon outfit. Je suis dégoûtée parce que au final, j'ai changé d'avis. Ma robe, en fait, est chez Jade. Et du coup, bah, j'ai pas l'outfit que je voulais. Mais je vais vous montrer comment je suis habillée. Et... J'ai la flemme de m'habiller, donc je vais vous montrer. C'est pas comme je le souhaite, mais c'est pas grave. Oui, je rentre dans la chambre de ma roommate, mais elle le sait. Du coup, voilà comment je suis habillée. Et j'ai mis un haut blanc, une petite ceinture noire. Et du coup, j'ai mon petit sac blanc et j'ai mis des baskets. Ça n'a aucun putain de sens, mais je suis prête. Emmener ma caméra.
En gros, à partir de la fin de ce que je vais dire, je vais filmer avec mon téléphone. Que voilà, à partir de là, je vais vous filmer quelques images que je vous mettrai dans le blog. Et puis, on se retrouve demain. J'espère que j'aurai la foi de pouvoir monter et faire tout ce que j'ai à faire. Allez, bisous. Vlog, j'espère qu'il vous aura plu. Du coup, n'hésitez pas à me suivre sur mon Instagram que je mets juste ici. Et puis voilà, on se retrouve du coup la semaine prochaine.